Bonsoir Luis Gloria, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à vous. J'espère que vous allez bien. Bonsoir. Partagez, partagez le live. Partagez massivement. Merci à tous ceux qui sont déjà présents dans le Marie-Claire Mbiakop, c'est comment nom, ma chérie. Bonsoir à toi. J'espère que tu te portes bien avec ta petite famille. Un bisou là-bas, ma chérie. Bonsoir. J'ai besoin de vous pour les partages. Bonsoir à vous. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. J'ai besoin de vous pour les partages, mes gens. Partagez massivement. Bonsoir, Madoc. Ouais, pardon, partagez alors pour moi, mes gens. Pardon, non. Je viens de voir ton intervention dans un direct la masse. C'est que dirait ça encore, ma chérie? Cindy Force Force. Je te claque les bisous depuis ta position, Cindy. Je t'aime très fort. Bisous à toi. Partageons, partageons. J'étais entendu jusqu'à oublier que l'heure a changé. Ah bon? Oh là là, je suis désolée. Très bien, Gant. Vous merci. Ça. Si ça dérange comme ça là. Partagez, oh, mes gens. Partagez. On partage, on partage. À 500 personnes connectées, on commence le live. 500 personnes connectées, on commence le live. Aidez-moi à partager, non, mes gens. Sans vous, je ne suis rien. Partagez dans les groupes. Partagez. Partagez alors, mes gens, pardon. Hey. Le réseau là est lent. Hein? Partagez, mes gens, pardon. Oh, pardon. Aidez-moi à partager, non. Sans vous, je ne suis rien. Jusqu'à. Mes gens, il y a affaire. On va parler. Ouais. 500 personnes connectées. Partagez, maman, ça ne monte pas. C'est comme ça, on va pas faire le live. Donc, quand tu as raté les bonnes choses, Flo vient de finir avec Paul et Félix. Pan Jansan. C'est lui, Pan Jansan. Jansan raté, tu dis à Madokas. Merci, Angela Zeta. Merci. Lyon Château. Dorcas, tu as raté les bonnes choses. Flo vient de finir. Ah, c'est Pan Jansan raté là. Il a raté le Jansan, ça a brûlé. Maman, il ne savait pas qu'on faisait une jansan même sur la tête. Hein. C'est avec Amek Amek que j'ai su qu'on faisait une jansan sur la tête. Moi, je n'ai jamais su. Moi, je sais que les gens font une jansan sur le corps. Mais aller jusqu'à faire une jansan sur la tête, c'est ma première fois de voir ça. Et ça a brûlé toute sa tête. Hein. Ça a brûlé toute sa tête, vraiment. Là, il veut aussi là. Le raison. Je n'ai jamais moi vu le genre de Ndiansan si. Ndiansan qu'on fait même celui-là. Que quelqu'un se rase, il fait le Ndiansan sur le crâne. Sur le crâne, carrément sur son crâne, je n'ai jamais vu. Maman, le live est sponsorisé par Cell Beauty. Maman, elle entend, maman, ses produits sont en train de travailler sur moi. C'est pas le bac Majo. Cell Beauty. Maman, le magasin est situé à. En commando en face de l'église protestante. L'église presbytérienne en commando. Mais bientôt, il y aura d'autres points de vente hein, dans la ville de Douala. Maman, c'est produit, non. Maman, regardez mes ongles, comment on fait là-bas. Hé, hey, maman, ils m'ont fait quoi? Ils m'ont broussé. Regardez mes ongles. Regardez. Maman, il y a ongles et ongles. Il y a salon et salon. Mais là-bas, voilà. Voilà ça, non. Est-ce que ça peut permettre hein? J'ai partagé jusqu'à Bangoula. Merci, oh, ma soeur Luis Gloria, ma doka, tu doses. Maman, c'est celle Beauty, maman. C'est celle Beauty qui est en train de faire le travaillement sur moi. Étant au Cameroun, je brille comme une personne que. Je brille quand je suis souvent aux États-Unis, maman. Avec tout le soleil de Douala, c'est maman. Je suis au Cameroun, mais j'ai déjà. Après. Sandwich. Ah,
après combien de mois, mes gens, je dja. Quand vous me voyez là, je ne dja pas. Je dja, maman. Vous savez que ici, là, moi, j'étais brûlée, maman, regardez. Maman a dit que le soleil m'avait brûlé. Les produits de la femme, là, non, maman. Ça m'a nettoyé jusqu'à 100% satisfaction. Maman, je suis allée. Maman, elle m'a dit, Madoka, va, on te fait le... Regardez. Regardez mes ongles, maman. Immonde. Il dit que le jas d'ongles, si. Le jas d'ongles, si. On fait ça pour aller, car... Oh, je t'envoie ça. Je t'envoie ça. Ouais, que Adama. Oui, même le bordereau là est... J'espère que... C'est bon, ok. Mon mari, quand il veut que tu connais gronder comme ça, le type, si, il va... Il n'aime pas, il connaît pas parler doucement. Hein. Il va voir la WC un jour comme la blague comme ça là. Il doit entendre de gronder. Il va demander quelque chose doucement. Il sait que j'aime une chose, peut-être j'ai oublié. Il crie seulement. Bonsoir Lolo Hélène. Elle fait les soins de visage. Elle fait les soins de visage. Hein? Elle fait les soins de visage. Elle fait les soins de visage. Donc allez en face de l'église presbytérienne en commandant. On va vous nettoyer. On va. Le jet d'ongles si. Maman, il y a quelle star qui a fait les ongles si? Dites-moi. Maman. Dites-moi, le jet d'ongles sinon, c'est aux États-Unis. Maman, regardez. Regardez le jet d'ongles ici. C'est pour aller qu'on parle de tout dit. Ok? Le jet d'ongles, si on ne fait pas ça pour rester avec vos quartiers. C'est le but, maman. On m'a reçu là-bas en star. Hein? Yeah, mes gens, vous me soulevez jusqu'à. Vous me soulevez, mes gens. À 500 personnes connectées, on commence le live. J'ai à dire, je veux parler. J'ai à dire et je veux parler. Mamie Maria, bonsoir, ma chérie. Bonsoir. Non, c'est des hommes quand même. Aucun doute. Maman, j'ai dit que mes sont niqués. Les hommes quand même, maman. Ils ne connaissent pas la douceur comme les blancs. Toujours en train de... Celui-ci, s'il m'a demandé quelque chose et que j'ai oublié, je n'ai pas envoyé. Maman, quand il m'appelle encore pour me rappeler, ça c'est comme si c'est la troisième guerre mondiale. Maman, les Africains, hein, maman, seulement, ce n'est que supporta na supporta. Maman, tu es chic. C'est celle but, maman. Celle but, ce n'est pas. Celle but, la gamme de l'heure, maman, regardez. Celle but, regardez mon. C'est celle but, oh, c'est celle but qui fait le travail immense pour moi, maman. Elle voulait encore que je rentre là-bas ce week-end. Maman, qu'on me fasse encore le soin de visage, qu'on me fasse mes cheveux et qu'on me retravaille encore. Mais où le temps? Il n'y a pas le temps. Ce week-end-ci là. Ouais, le Japap. Ouais, pourquoi c'est calé? À 500 personnes connectées, on va parler. Je vais vous dire ce que moi j'ai au fond du cœur. Ok? Moins de 500 personnes connectées, on va reporter le live. S'il y a plein de gens dans d'autres lives et que le socle est bloqué, ce qu'on va, on va laisser, non, mes gens. On va laisser. Purement et simplement, on va laisser, c'est tout. Voilà. Voilà. On est déjà à 150 personnes connectées. Mes gens, pardon, pardonnez. Aidez-moi à partager, non, mes gens. Sans vous, je ne suis rien. Ce n'est pas vous qui m'avez fabriqué sur Facebook. C'est vous qui m'avez fabriqué sur Facebook. Maintenant, si vous me déposez au sol, je fais comment? Je fais comment sur l'Undem? On va se moquer de moi. Hein? L'entouze, comme les Lolita, la baronne, là, elle va se moquer de moi bien même. Elle va dire, oh, Dorcas, hein? Et venez que tu cherches la Starmania, ça t'a dépassé. Hein? Voilà ça qu'on t'a déposé. Maman, on va se moquer de moi partout, partout, partout.
Pardon, mes gens, ne laissez pas qu'on se moque de moi. Oh. Pardon. Ne laissez pas mes gens. Ne me donnez pas la honte au corps. Pardon seulement. On est ensemble jusqu'à la gare. On est quoi? On est ensemble. C'est pourquoi moi, je vais faire une sortie. J'ai à dire. Ok? Hey, papa. Je viens de t'envoyer ça, non? Allô? Ah bon? Attends, j'appelle la dame. J'appelle la dame, chérie, s'il te plaît. Pardon, partagez mes gens, oh, partagez oh, mes gens. Je ne vois pas les partages, oh, mes gens, oh, aidez-moi, oh. Aidez-moi, oh, mes gens, oh, pardon. Oh, oh, non, 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 c'est pas celle de... Non, désolé, c'est pas elle. Oui, attends. Aidez-moi, oh, mes gens, oh, aidez-moi, oh. Aidez-moi, oh mes gens, oh pardon, oh mes gens. Sans vous, je ne suis rien, oh mes gens, oh aidez-moi, oh pardon, oh. Aidez-moi, oh mes gens, oh. Si vous me lâchez, c'est le ndem total, oh. Aidez-moi, oh, mes gens, oh, pardon, oh. Allô? Oui, maman, ta soeur n'est pas en train de prendre. On est en train d'organiser sa livraison. Elle ne prend pas. Elle ne décroche pas. Elle ne décroche pas son téléphone. Parce que le chauffeur a appelé mon mari et mon mari m'a appelé. Hein? Pardon, appelle-la de décrocher. Hein? Allô? Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Ok. Ok. Oui, mes gens, pardon seulement. Quand les chauffeurs appellent mon mari comme ça, mon mari est obligé de m'appeler. Ouais, Seigneur, trop de commandes à livrer aujourd'hui. Trop de commandes. Trop de commandes aujourd'hui là. Mmh. Trop de commandes. Madoka, c'est encore quelle perruque ça? Vous allez nous finir sur Facebook. C'est le lait qu'on vous donne, maman. Qui va se négliger? On va sauf que vendre. Allô? Allô? Oui, ma belle, le chauffeur vient d'appeler mon mari et que on est en train de, il est en train d'appeler le monsieur qu'on a livré les deux sacs là. Il n'est pas en train de prendre. Le chauffeur demande alors s'il peut, il peut déposer un autre, on peut donner à un autre chauffeur de venir avec. Comme je ne connais pas les chauffeurs, c'est lui qui m'a déposé hier. Et je, attendez, je vais le joindre. Oui, parce qu'on est en train de l'appeler pour tes deux colis, il n'est pas en train de... D'accord, maman, d'accord. Je l'appelle. Ok. Ouais, mes gens, Power Mafo, Madokas. Madok, Isaac a acheté une canette de Fanta pour faire le direct dans la. Ouais, Seigneur, Seigneur, ouais. Allô? Ok, papa, n'est pas tu fais alors comme ça. N'est pas tu pas là-bas? Attends, alors j'appelle la dame. Attends, j'appelle alors la dame. Pardon, attends, j'appelle la dame. Hey, on va même faire le live aujourd'hui, mes gens. Yeah, baloque. Oshiga dit qu'elle va te taper avec le... Ouais, les faux proficiers. Vous êtes les vrais sorciers de Facebook. Hey, Sylvie Mbako, bon arrivée.
Ma chérie, ma soeur chérie, bonne arrivée. Hamburger salade, tu es la bienvenue. Les faux profils à la sorcellerie vous donnent même souvent quoi entre nous? Ça vous donne quoi? Quand vous faites la sorcellerie, ça vous donne quoi même? Il dit, des faux profils. Pardon une minute, pardonnez mes gens, pardonnez seulement, on va parler. Donnez-moi juste une minute que je... Il y a trop de livraisons aujourd'hui, trop. Celle-ci aussi ne prend pas. Ouais, on va faire comment? On n'est pas en train de prendre, moi je vais lui laisser un voice, hein. De toutes les façons, on va livrer là où il se trouve. Bonsoir Omar, j'essaie de t'appeler là, tu ne prends pas. Le chauffeur vient d'appeler mon mari, que celui qui devait récupérer ton colis là, tu m'as dit que la personne était à Nouvelle. Mais on l'a appelé, il dit qu'il est plutôt à Dedo, donc on va aller le livrer à Dedo, parce que c'est le numéro que tu nous as donné. Voilà, rappel. Allô? Ah, oui, maman. La personne que tu as donné son contact là, tu m'as dit qu'il était à Nebel, non? Oui. Il dit qu'il a des dos, on va lui livrer là-bas. Il dit qu'on livre à des dos. Il dit que lui, il est qu'à des dos. Mais il faut livrer à Nebel. Il avait dit qu'il allait demander que quelqu'un réceptionne à Nebel parce que la réunion familiale est là-bas. Est-ce qu'il a bien compris? Il a compris, non. C'est le numéro que tu nous as donné, non. Le chauffeur vient de l'appeler. Il a dit au chauffeur que lui, il est plutôt à Dedo. C'est ça que le chauffeur a appelé mon mari, qu'il fait comment? Il part livrer à Dedo. Puisque c'est le contact que tu as donné, on part livrer à Dedo, non? Non, si tu veux, je l'appelle. Appelle alors, appelle-le. Parce que le chauffeur est dehors, maman. Appelle-le. Il est déjà dehors avec les colis. Okay. Et quand ça sort, ça doit seulement partir. Parce que transporter 100 kilos, c'est lourd. Ça ne peut plus rentrer. Donc, on doit le livrer. Ok, maman. Ouais, pardonnez mes gens. Pardonnez, ce n'est pas le manque de respect. On fait le japap, c'est vrai. Mais en même temps, mes gens, en même temps, il faut aussi qu'on cherche le gagne-pain, non, mes gens. Vous nous avez demandé ici d'aller travailler. Vous-même, vous savez ça, non? Vous avez dit que vous les bloguez, cela. Allez travailler. Arrêtez de nous pomper l'air. C'est ça que moi, j'ai décidé que, au lieu de rester en bain, vendre ce que tous les autres vendent, moi, je suis rentré, moi, faire méchant, mes gens. Même quand on se moque de moi, là, moi, je suis moi que dans mon couloir. De champ. C'est dedans que je suis. Donc, pardonnez. Pardonnez. Ce n'est pas que je veux vous manquer le respect. Biko, pardonnez. C'est que le pays est chaud. Le pays ne donne pas le lait. Le pays, ce n'est pas pour ceux qui dorment. Le pays, c'est pour les requins. Si tu n'es pas fort au pays, tu meurs de faim. Et je n'ai pas l'intention de mourir de faim. Si je viens, voilà maintenant que je viens souvent, vous dire que pardon, envoyez-moi les étoiles. Vous voyez comment tout le monde m'insulte déjà sur Facebook. Oh, je ne suis plus les étoiles, même jusqu'à Lolita. Lolita la baronne, c'est moqué de moi, non? Allô? Oui, Madoka, il a dit des dos. Il a changé. C'est ça, qu'on le livre là-bas, non? Oui, maman. Demande-lui alors d'appeler le chauffeur, que le chauffeur vienne le livrer là-bas. Ok. Demande-lui d'appeler le chauffeur, oui. Ok, maman. Merci. D'accord, maman. Bisous, Merci, merci pour tout. Le numéro du chauffeur, là? Oui, le chauffeur, là, il a appelé. C'est lui qui a dit au chauffeur qu'il était à... qu'il est à Dedo. Qu'il rappelle juste le numéro, non?
pour qu'il dise où on livre des dons. Oui, comme ça, il va indiquer au chauffeur là où il veut qu'on le livre. Parce que je crois que le chauffeur doit être déjà dans en route en train de partir. Exactement. Oui. Qu'il appelle le chauffeur, comme ça, il dit exactement au chauffeur où ils vont se croiser. Ok, ça marche. Uh-huh, maman. Merci, maman. Bisous, maman. Maman. Je crois que c'est bon maintenant, non, mes gens. C'est bon, c'est bon. Pardonnez, ce n'est pas que je vais vous couiquer comme ça, pas être indiqué. Maman, c'est comme ça, mon. Allô? Oui, oui, il est déjà arrivé, donc il est déjà rentré. Il dit, bon, Seigneur, il finit. Il a fini de travailler. Il dit qu'il n'a vu aucun appel. Il dit peut-être c'est le réseau, quoi. Oui, parce que. Parce qu'on l'appelle, ça ne passe pas. Il lui a donné son numéro. Il dit, et si il peut avoir ton numéro, c'est lui qui vous appelle. Dès qu'il est sur la route de joie, là, demain, il vous appelle. Et apprêtez-vous à la station, là, vous venez lui donner le bacabou. Hey, le chauffeur il a sorti avec les colis là. Il dit qu'il y a les gens stationnés à la station là, il n'y a pas de voiture pour venir aider. Il y a les passagers, mais il n'y a pas de voiture. Ouais. Normalement, il devait d'abord l'appeler, contacter avant de bouger et le rester. Yeah, parce qu'il s'est dit que comme les chauffeurs font tout la ligne, ils sont toujours en mouvement. Attends alors, j'appelle le chauffeur comme ça là. Je lui dis. Il peut trouver les chauffeurs. C'est là où on charge. Je sais pas s'il peut trouver quelqu'un là-bas. Il nous dit là. S'il peut trouver un autre chauffeur, il envoie pas un autre chauffeur. Tu dis qu'il envoie pas un autre chauffeur, s'il trouve un autre chauffeur là-bas. Ok. Il a fait son dernier chargement et il est déjà arrivé. Ok, maman. Tu as dit que c'est où on la livraison sera où au péage de Déa. On ne savait pas le péage. Ok. Ok. Ouais. Ok. En tout cas, de toutes les façons, je vais te faire signe si jamais on a envoyé les colis. D'accord. D'accord. Ah, ok. On va alors d'abord faire comme ça. Ok. Ah. Attends, c'est là. Je comprends pourquoi Aimé m'a demandé si tu t'es déjà pressé. Aimé m'a vu dans le live. Non, mais je ne suis pas pressé. J'ai dit non. Laisse m'a mis la paix. J'ai mis la paix. Ouais, Seigneur, j'ai lancé le live, ils ne me laissent même parler. Les followers m'ont déjà attendu jusqu'à. Ils sont déjà fatigués. Ils sont même déjà partis. Ils veulent faire comment, maman? Même tes recherches. Ah, la dame Dédé a dit que le chauffeur y a. Oui, tu m'écoutes. La dame de Déa a dit que le chauffeur y a rentré sur Déa. Que s'il y a moyen qu'on trouve un autre chauffeur, oui. Mais sinon, c'est que ce n'est que demain qu'on va livrer. Allô? C'est terrible. Ouais, vraiment. On va faire le live sur comment. Les appels. Samedi, vendredi, samedi, dimanche, comme ça, les livraisons. Allô?
Le réseau aussi. Oui. Bah alors, tu veux moi faire comment maintenant pour faire mon live? Je veux faire comment pour qu'on me laisse faire mon live? Hey, Akele Nulia. Allô? Hein? La femme a dit que le chauffeur y a rentré Suédéa. Le chauffeur de Cité des Palmiers y a rentré Suédéa. Que s'il y a moyen que tu trouves un autre chauffeur qui voyage par là-bas, à qui tu peux envoyer. C'est bon. Tu as compris? Au péage de Deya. Il laisse en route au péage de Deya. Au péage même. Elle m'a dit qu'ils sont au péage. Oui. Oui, on va gérer ça. Oui, on va gérer. On va donner, je vais si tu es là-bas, tu me dis, je t'envoie le nom qu'on va mettre sur ça. Oui, quand tu es là-bas, si tu, parce que l'autre chauffeur dit qu'il n'y a plus de chauffeur, qu'il y a les passagers, mais il n'y a pas de chauffeur. Mais si tu arrives là-bas, que tu peux trouver un chauffeur, c'est bon. Et le monsieur de Dedo, hein? Ah. Ouais, coupe, tu gères d'abord les clients, puis tu reviens. Les clients, roi. Maman, j'ai dit que mes gens, je veux faire comment? Vous avez dit que allez travailler. Que les blogueuses allaient travailler. Moi, voici qu'on insulte partout. Que, oh, Dorcas demande les quoi sur Facebook. Oh, Dorcas, j'ai rien. Voilà. Hein, mes gens, vous avez dit que donc allez travailler. Maintenant, j'ai commencé à vendre mes macabos. Hein, mes macabos. Les gens sont tous partis. Pardon, rebipez les gens, non. Venons faire le live. Je ne veux plus qu'on me clash sur Facebook. Je ne veux plus qu'on m'insulte, Biko. Je ne veux plus, moi, qu'on m'insulte. C'est pourquoi j'ai décidé, moi, que mieux je vends mes macabos. Je suis venu, j'ai fait mes champs. Tout le monde a vu. J'ai les hectares de manioc. Je ne sais même pas encore comment je vais faire pour sortir le manioc là. Je ne sais pas. Je n'ai pas de camion là où je suis là. Donc, ça me chauffe la tête seulement. Je dépense beaucoup dans le transport. Si j'avais mon propre camion et mes gens, c'est que peut-être moi aussi je suis bien. C'est que moi aussi je suis bien. Mais je n'ai pas le camion. S'il y avait le camion, c'est que je ne tape pas poteau dans mes champs que je suis en train de faire là. C'est que je ne tape pas poteau. Je ne vous manque pas. Le champ ne manque pas. Vous voulez venir faire les affaires au pays. Laissez les magasins, les quoi, entrer dans les champs. Vous n'avez pas les terres louées. Louées. Ne suivez pas ce que la baronne vous dites là que j'ai raté. Et man, je n'ai pas raté, mes gens. Je n'ai pas raté. Je suis l'exemple typique de la réussite. Je suis l'exemple que la jeune femme camerounaise peut se greffer à moi. Et représenter le Cameroun valablement au-delà des frontières du Cameroun. Je suis le prototype. Ne suivez pas ce que est la vieille peau là. Raconte là que Dorcas a raté sa vie. Elle ne sait pas de quoi elle parle. C'est les gens qui vivent encore avec le complexe d'infériorité dans la tête. C'est les gens que les blancs ont tellement pissé dans leur cerveau qu'ils se croient inférieurs aux blancs. Elle ne croit pas que même en Afrique, les gens peuvent gagner leur vie. Elle ne croit pas qu'en Afrique, quelqu'un peut venir, il se bat et il s'en sort. Elle ne croit pas. C'est pourquoi elle croit que le fait que j'ai quitté les États-Unis pour venir au Cameroun, je suis une ratée. C'est pourquoi elle croit à ça.
C'est pourquoi il a ça dans sa tête. Que comme j'ai quitté les États-Unis pour le Cameroun, j'ai raté. Mes gens, elles vous racontent les histoires. Même aux États-Unis, je n'ai pas raté mes gens. Je n'ai pas raté même aux États-Unis. Ne suivez pas ce que la vieille peau la raconte. Je n'ai pas envie de la clasher, vous connaissez. Parce que moi-même, j'ai clashé, elle m'a juste fait un droit de réponse. On doit être fair play sur Facebook, non? Est-ce qu'on ne doit pas être fair play sur Facebook? Hein? On doit être fair play. Je ne dois pas comprendre ce que la baronne de Suisse a dit. Et je me mets à prendre ça au premier degré. Facebook, c'est le Ndjangi, non? Elle a bouffé le Ndjangi chez moi. Si moi aussi je bouffe chez elle, ça fait quoi? On doit être fair play sur Facebook, non? Je bouffe aussi le Ndjangi. Et je viens lui dire aujourd'hui que la baronne de Suisse, arrête de dire que j'ai raté. Arrête de me saboter que la femme américaine là, être américaine d'abord n'est pas synonyme d'une personne qui a raté. Parce qu'avoir les papiers américains, c'est la peau du corps. Chez nous aux États-Unis, l'enfant ne donne pas les papiers comme chez vous en Benke. Tu es parti écarté, un blanc. Tu as couché au métis si tu as donné les papiers. Ok? Chez nous aux États-Unis, je me répète. Chez nous aux États-Unis, je me répète. On n'écarte pas pour avoir les papiers chez nous aux États-Unis. Pour avoir les États-Unis, il faut trouver les. Pour avoir les Kaolo, il faut trouver les stratégies. L'enfant ne donne pas les papiers chez nous aux États-Unis. Toi, tu as écarté un blanc, tu as accouché au métis. Et l'enfant métis t'a donné les papiers. Tu es différente de moi. Moi, j'ai mouillé le maillot. Toi, tu as Yamo et tu as eu les papiers. Moi, je n'ai pas Yamo. J'ai fait comme ça. Pour avoir les cas. Le Yamo ne donne pas les papiers chez nous. Ça ne donne pas les papiers. Ok? Si j'ai pu me battre, avoir mes cas et devenir citoyenne américaine. Ok? Ramasser tous mes enfants au Cameroun. Aller les installer aux États-Unis. Comment tu vas dire que j'ai raté ma vie, Yamseur? Comment tu peux dire ça? Comment tu peux me regarder dans les yeux et tu me clashes en disant que Dorcas c'est une rate-rate, que Dorcas a raté sa vie? Entre nous. Quand tu me vois là, regarde-moi. Hein? Tu as dit qu'elle vient toujours avec les cheveux ébouriffés. Aujourd'hui, j'ai mis la perruque, maman. Voilà ma part de perruque que j'ai amené. J'ai les perruques ici pleines que j'ai ramenées quand je suis venue, mais je ne porte pas. Je ne suis pas une personne perruque. Je ne suis pas une personne perruque, ok? Ouais, maman Lily de la Tour, elle dit que bonsoir, Dorcas, la paix est bien. Maman, la paix est bien, non? Après, bien, on s'est clashé, non, maman? Hein, je vais te voir, on ne te salue pas, maman. J'étais clashé, tu m'as clashé. On doit être fair play sur Facebook. Ok? Hein? On doit être fair play, non, maman? Vous croyez que je vais venir m'accrocher sur Lolita? Non. On doit être fair play, maman. Est-ce que moi-même, j'ai loupé Lolita? Je n'ai pas loupé Lolita, la baronne. Donc, si elle me clash aussi, ce n'est que normal, non, maman? Ce n'est que normal, c'est des bonnes guerres. Vous croyez que comme elle m'a clashé là, c'est qu'elle m'a gardé dans depuis. Elle a trouvé l'occasion pour finir avec moi. C'est normal, c'est des bonnes guerres. C'est des bonnes guerres. Quand on est sur Facebook, on doit se préparer. Tu es une clasheuse sur Facebook. Mets dans ta tête qu'à tout moment, les gens vont te clasher. Tu clashes, on répond non. Elle m'a répondu. Hein? Et elle m'a fait ça. Elle m'a mis ça sans vaseline. Rien que le fait qu'elle a dit que j'ai raté là, non, mais ça m'a pioncé. Ça, elle m'a touché là où ça m'a fait mal. Qu'elle vient dire que j'ai raté ma vie. Donc, elle ne voit pas, elle est macabre que je vends là. Lolita, donnez les lunettes à Lolita, pardon. Donnez les lunettes à Lolita. Non, je n'aime pas les. C'est le game, non, maman. Donnez les lunettes à Lolita, la baronne. Dites à Lolita que si elle ne voit pas les macabos que je vends là, dites-lui que je vends les macabos au Cameroun. Et je n'ai pas honte de ça, je suis cultivatrice. Dites-lui ça. Mais une cultivatrice androïde, c'est de ça qu'il s'agit. Je suis cultivatrice androïde. Je suis une cultivatrice au-dessus des cultivatrices androïdes. Vous avez vu, non, c'est le but.
Une cultivatrice qui a les ongles plus que ceux qui ne cultivent pas. Lolita met tes ongles et même à part, on voit pour qui. Elle est plus propre. Oui, je suis cultivatrice, tu te moques de moi. Elle dit que, oh, elle a quitté les États-Unis pour aller au Cameroun vendre le macabo. Je vends le macabo. Lolita met tes ongles, tu m'aimes pas. On va voir. Entre toi, Lambengis, et moi, la cultivatrice au Cameroun, qui est qui? Mets ta part, Lolita. Lolita, la baronne, viens mettre ta part, on va voir. Ce qui est sûr, c'est que moi qui cultive le macabo au Cameroun, il y a 7 buts pour nettoyer mes ongles, enlever toutes les terres que... Enlever toutes les terres que j'ai cultivées, là, regardez. Quand vous voyez mes ongles, là, ça l'aide une personne qui cultive les champs. Il y a 7 buts situés en face de l'église presbytérienne en commando qui fait le bon travail. Vous-même, regardez. Est-ce que le résultat n'est pas là, mes gens? Regardez vous-même. Est-ce que c'est pas beau? Regardez. Regardez. Regardez à quoi, mais... Regardez. Allez à 7 buts, hein. Ça fait une semaine que j'ai fait mes gens. C'est comme si j'ai dit que ça là, c'est comme si j'ai dit que j'avais ça. Lolita, donnons-nous rendez-vous de bagarre. C'est comme ça qu'on doit, on doit se séparer. Parce que nous sommes les deux yamseurs. Donnons-nous rendez-vous de bagarre. Même avec mes ongles, c'est poche ton œil. Ça, ce qui est sûr, c'est ça. Ce qui est sûr, c'est ça. Tu dis que toi, tu mets les quoi? Les pipes et tu arrêtes les cannes, tu mets les cheveux. Moi, je porte les robes, mais j'ai la carrure d'un homme plus que toi. Lolita, donne-moi rendez-vous. Même en Suisse, je suis citoyenne américaine, j'ai atterri là-bas. Je te poche l'œil, ce qui est sûr, c'est ça. Ma tante, tout nous m'yamou, vous venez tout mou chilen, ça mou tout m'enga. Lolita, donne-moi rendez-vous de bagarre. Le jour que tu viens au Cameroun, Lolita, dis-moi. Fais-moi signe que Dorcas est en train d'arriver. Parce qu'on ne clash plus sur Meta. On ne clash plus. Je n'ai plus le temps de clasher sur Meta. Vous avez compris avec quoi? Les gens qui vont sont venus assiéger mon téléphone aujourd'hui. Que oh! Ma Dorcas, ça cuit. Ma Dorcas, ça cuit. Oh, Tata Lolo, où c'est qui? Ah, oh, Fleur de Lille a dit que Fleur de Lille a dit que Tata Lolo ne clash plus jamais à mon nom, quoi. Oh, machin, Madoka, ça cuit, ça tape. Vous venez assiéger mon téléphone, mais j'ai demandé que. Moi, est-ce que votre souffle-douleur sur Facebook ou quoi? Attends, quand vous me voyez là, la femme de papa Max, hein? Madame Oué, attends, moi je suis quoi? Je suis votre souffre-douleur, je suis quoi? Quand vous me voyez là, vous voyez quoi en fait? Hein? C'est pas parce que je suis venu entrer dans les cas de Facebook que je vais demeurer dedans, ok? J'ai dit que ne me mêlez plus, ni de près, ni de loin. Aux histoires de clash de Facebook. Je ne suis plus dans les clashs. Tous ceux qui m'ont appelé, je leur ai dit la même chose. Je ne suis plus dans les clashs. J'ai clashé Flore 2 ans. J'ai clashé Lolo. Ça ne m'a rien rapporté. Vous avez compris avec quoi? Ça ne m'a rien rapporté. Tout au contraire, j'ai eu des problèmes sur Facebook. Je me suis fait des ennemis. Les gens comme Lily Delatour, on a fait le sale. Lily Delatour m'a caricaturé dans sa page. Moi-même, j'ai capturé sa photo. J'ai fait le sale avec elle. Je l'ai appelée Lily Delatour. Vous vous rappelez? J'ai même sorti un son. On a fait le sale sur Facebook. Ok? C'est passé. Je ne suis plus dedans. Et puis, j'ai compris Facebook. J'ai compris Facebook. Je ne suis pas un enfant. J'ai compris Facebook. Je ne veux... La paix que Flore a fait avec Lolo, ils vont sauf que faire la paix. Ils veulent, ils ne veulent pas. Lolo veut, Flore ne veut pas, ils vont faire que la paix là. C'est Hora. Parce qu'ils ne vont pas laisser la honte sur les gens. Jamais de la vie. Quand ils ont fait le paix, j'ai fait ma sortie. Je ne voulais même pas parler de ça. Vous m'avez tchouqué. Une semaine après, j'ai fait la sortie. J'avais dit que quoi? Que quand vous avez fait la paix à deux là, tu connais qui est Flore. Flore connaît qui tu es. Tu sais qu'avec Flore,
Ton cœur bat plus fort. J'ai dit ça. Qui se rappelle de ce que j'avais dit? Écrivez, si vous vous rappelez que j'avais dit ça. Que quand tu parles, dis que tu fais la paix avec Flore. Flore dit qu'elle vient faire la paix avec Lolo. Vous vous connaissez, vous vous maîtrisez. Hein? Chacun connaît qui est qui. Et j'ai précisé le jour-là que avec Flore Delis, ton cœur bat plus fort. Parce qu'avec Flore, ça sort comme ça sort. J'avais dit ça ou je n'avais pas dit. J'avais dit ça ou je n'avais pas dit. J'avais dit ça ici. Et j'ai dit aussi à Flore que tu connais Lolo. Tu connais les dégagements de Lolo. Avec Lolo, ça sort comme ça sort. La paix que vous avez amenée sur Facebook, là, les gens ont mis leurs organes dedans. Zéro honte que vous avez laissé sur les gens. Zéro honte. Vous allez vous assumer. Deux options. OK? Ou vous assumez, ou vous mettez vos caméras à deux. Vous vous mangez comme les petits bouts de pain. Parce que quand vous êtes parti faire votre paix, personne n'était là. Vous avez fait votre paix, vous avez amené sur Facebook. Nous tous, on a vu ça ici sur Facebook. Le jour que ça cuit, ne m'appelez pas dedans. Ça ne doit pas cuire. La honte là, vous ne pouvez pas nous infliger ça, jamais. Parce qu'on a tapé le dical sur ça. Ce que... Non. Pardon, asseyez-vous sur vos cacas. Ça ne doit même pas sentir. Même la couleur ne doit pas sortir pour qu'on voit dehors. Asseyez-vous sur ça. Asseyez-vous sur ça. Gérez seulement une place. Vous avez dit que la paix entre la paix de Flore, oh, la paix de c'est une place. Gérez ça vraiment sans faire de bruit. On est fatigué. On est fatigué des problèmes. Moi, personnellement, je suis fatigué. Vous croyez que moi, quand j'ai fait la paix ici avec Lolo, j'avais dit que plus jamais je ne mettrai ma caméra pour clasher Lolo. J'avais dit ça. Que plus jamais je ne ferai ça. OK? Et je tiens ma parole. Même si elle fait quoi, je peux faire prendre mon coin. Plus jamais. Et aujourd'hui, je dis, plus jamais je n'entrerai en clash avec Flore Delis. Est-ce que le message est passé? Est-ce que le message est passé? On dit que quand tu connais quelqu'un, tu peux vivre avec la personne 100 ans. J'ai dit, écoutez bien, même si Flore met sa caméra, elle me clash, je fais les parodies sur ça, je ris. Je ne suis plus dedans. Je ne mettrai plus jamais, à grand jamais, ma caméra pour clasher. Que ce soit Lolo, que ce soit Flore. Je suis en paix avec tout le monde. C'est vrai que personne ne m'a appelé dans la paix là. Je ne suis pas dans la paix, mais je suis en paix avec moi-même. Est-ce que le message est passé? Est-ce que le message est passé? Je ne suis pas moi, je ne veux pas moi les problèmes. Pardon. Si Flore a eu un lapsus, que Lolo laisse ça passer. Et que Flore aussi reconnaît que non, il y a des propos que peut-être peut tenir qui va faire mal à sa yamseur. Et qu'ils arrangent. Moi, par exemple, quand il y a peut-être des malentendus entre Lolo et moi, j'appelle Lolo, non? J'appelle Lolo. Elle aboie, j'aboie. Après, on se calme, ça passe entre nous deux. Et j'invite ces deux femmes-là à faire pareil. Ça ne va pas être facile, c'est vrai. Ça ne va pas être facile. Parce que si ça dérape, la honte sera pour vous. Hein. Nous, on va décrypter ce qui est sûr, c'est ça. Nous, on va décrypter. Nous, on va décrypter. Donc, chacun ajoute un peu d'eau dans son vin. Vous connaissez qui est Flore. Vous connaissez qu'avec Flore, ça sort comme ça sort. Vous savez qu'elle est comme ça. Est-ce que vous ne connaissez pas? Est-ce que vous ne connaissez pas? Vous connaissez qu'elle est comme ça. Quand vous connaissez quelqu'un, prenez-la comme elle est. J'avais dit ça ici là que Lolo prenne Flore Delis comme elle est. Que Flore Delis prenne Lolo comme elle est. Vous ne pouvez pas dire que vous avez fait la paix. À moins de quelque temps, vous voulez encore que les gens viennent mettre la bouche dedans pour commencer. Non, par rapport à quoi?
Quoique moi, je suis vieille pour... Non, pardon, les faux profils là. Pardon, je suis à vous. Vous-même, vous savez que moi, j'ai 65 ans. Donc moi, je suis déjà vieille. Je n'ai plus l'énergie. Tout le monde est en mode business sur Facebook. Ce n'est pas moi qui va rester dans les clashs. Non. Non. Et j'ai fait le business avec tout le monde. J'ai fait les business avec tout le monde. Avec tout le monde. Merci, Matcha. J'ai fait le business avec tout le monde sur Facebook. Je ne veux plus moi les problèmes avec les gens. Je suis en accord avec tout le monde. On a dit que la paix, sauf que la paix là. Moi, je ne veux pas les problèmes. On a dit que quoi? 2024, c'est la paix. Même l'instigatif de la paix qui est Fleur de Lys. Si elle va encore retourner, elle va sauf qu'assumer la paix là. Ce qui est sûr, c'est ça. Elle va sauf qu'assumer la paix. Vous croyez que moi, je ne suis pas fatigué? Donc, ne m'interpellez plus par rapport à ça. Et tous ceux qui m'ont interpellé, je vous ai dit la même chose. Ok? Je suis en paix avec Loulou, je suis en paix avec Flo. Si vous, là, vous voulez faire vos guerres, que chacun fait sa guerre. Moi, Dorcas, je ne suis pas moi dedans. Je ne suis pas moi dedans. Que ce soit une bonne paix, que ce soit une mauvaise paix, ça ne me concerne en rien. Que ce soit une paix, quoi, que ce soit une paix, quoi, ça ne me concerne en. Parce qu'ils ont fait leur paix une place. Nous tous, on a vu ça que sur Facebook. Je vais venir mettre ma boue dans quelque chose que je ne connais pas les tenants ni les aboutissants. Comment? Comment? Donc, ce sont mes deux sœurs. Que Fleur de Lys me connaît, qu'elle ne me connaît pas, ça ne change rien sur ma vie, ça n'ajoute pas quelque chose, ça ne me met pas la nourriture sur la table. Ce qui est sûr, c'est que c'est ma yam sœur. Que Lolo se réconcilie avec Flo, que Lolo ne se réconcilie pas avec Flo, ça ne m'engage en rien. La paix est personnelle. Ok? On ne force pas les gens d'être en paix. La paix est personnelle. Elles ont fait leur paix. Chacun est en paix dans son cœur. Et moi, j'ai dit que comme il y a la paix, je ne vois pas l'utilité de toujours clasher. Je préfère moi-même la paix. Donc après, maintenant, si elles sortent de leur paix, c'est une place entre les deux. Ok? C'est une place parce qu'elles nous ont annoncé c'est que leur paix, c'est une place. Donc, si ça cuit, c'est une place. Ok? Je ne suis indexé dedans, ni de près, ni de loin. Je ne connais pas. Non, on va sauf que faire la paix là. On va sauf que faire la paix là. Je ne sais pas là où vous êtes en train de partir avec le discours de Flo. Flo a fait son discours. Elle est entrée dans l'avion en train de partir. Donc, tout ce que vous allez faire derrière là, elle n'est plus là-dedans. Elle est, quand elle chie là, ça reste vous sentir. Elle est à partir. Quand vous avez fini de parler, elle va encore venir chier l'autre vous donner. Si vous n'avez pas compris le game de Facebook, si vous n'avez pas compris la stratégie de Facebook, les gens qui n'ont pas compris Flo, c'est que vous n'avez rien compris. Mais moi, j'ai eu le temps de m'asseoir et de connaître qui est qui. Je connais qui est Loulou, je connais qui est Flo. Ok? Et on dit que quand tu connais les gens, vous pouvez vivre sans problème. Donc, je n'ai aucun problème avec ces deux sœurs camerounaises. Les faux profils qui veulent manipuler là pour déclencher encore le clash. Je ne suis plus dedans. Est-ce que le message est clair? Retirez-moi dans les clashs que vous m'avez déposés. Je suis la femme de quelqu'un. Arrêtez de m'amener dans les clashs. Les gens qui me soutiennent ne veulent plus me voir dans les clashs. Et je n'ai plus l'intention de clasher. Si c'était comme avant, j'allais venir mettre ma caméra, refaire le portrait de Lolita. Mais je sais qu'elle m'a fait un droit de réponse. Parce que moi-même, je n'ai pas loupé Lolita quand son mari est mort. Ok? Elle avait la rancune contre moi. Elle avait la rancune.
Donc maintenant, le clash de maintenant, c'est que si on est trop fâché, on se donne rendez-vous, nous les vieilles peaux là. Ok? On se donne rendez-vous, on se nakam, ça finit. Hein? Je suis fatigué de Flore, je lui donne rendez-vous. Je dis que comme tu aimes au Cameroun la Flore, je suis fatigué de toi, donnons-nous rendez-vous. La personne qui refuse le rendez-vous, c'est qu'il a fui, il a fui la bagarre. Nous, les vieilles peaux là, c'est comme ça qu'on doit passer maintenant qu'au monde, on se nakam bien. Parce qu'il n'y a plus rien qu'on va dire sur Lolo qu'elle n'a pas encore compris. Il n'y a plus rien qu'on va dire sur Flore qu'elle n'a pas compris. Elle n'a pas encore compris. Donc maintenant là, on se donne seulement rendez-vous. On se frappe. Si je vois qu'elle ne peut pas te donner rendez-vous, je fais les parodies, tout le monde rit. C'est tout. C'est tout. Chacun est dans son couloir. Personne n'a besoin de l'autre. Chacun est dans son couloir. Qui dort dans la maison de qui? Personne. Personne ne met la nourriture sur la table de l'autre. Ok? Donc tout est virtuel. Tout est virtuel. On n'a pas à se déchirer. Parce qu'il n'y a personne qui empiète les pas de l'autre. Et moi, j'ai mon couloir. Moi, je me sais que je ne suis pas moi. Il y a deux grandes blogueuses que moi, je reconnais. Lolo et Flore. Mais moi, je sais qu'elles viennent moi derrière doucement, doucement. À petits pas. Je ne viens pas pour me mesurer. Je ne viens pas pour prendre la place de quelqu'un. Je ne viens pas pour faire la concurrence. Non. Facebook est large. Ok? Que chacun trouve sa part de place et son petit gagne-pain. Sans empiéter la place de l'autre. Si on peut se soutenir, on se soutient. Si on ne peut pas, on laisse. Si Lolo voit qu'elle est fatiguée de la paix, le père va sortir, va dire que mes gens, j'ai essayé, je croyais que ça devait donner, ça n'a pas donné. C'est ça, non? Nous, on va aller chercher quoi dans la guerre de deux grandes blogueuses, maman. Elles ont dit qu'elles ont fait la paix. Elles sont venues nous annoncer à Mondovision que c'était la paix. Le jour que ça cuit, elles vont encore venir nous annoncer. Moi, je n'ai rien à faire là-dedans. Vous venez m'interpeller. Les abeilles m'appellent. Oh, Madoka, ne tombe pas dans la manipulation. Oh, Madoka, de l'autre côté, oh, Madoka, tu as vu, non? Flore, non, pardon. Pardonne. Pardonnez seulement. Pardonne. Je ne veux plus, moi, les problèmes avec les gens. Je ne veux plus, moi. Je ne veux plus les problèmes avec les gens, pardon. Allô? Oui. Oui, oui, je t'écoute. Oui, je t'écoute. Je t'écoute, je t'écoute. Ah. Moi, il y a fatigué. Donc, c'est ça. Hein? Allô? Ok, d'accord. Oui, maman, j'ai dit, hein. Oui, tu m'écoutes. Tu m'écoutes. Tu m'écoutes. Oui, tu m'écoutes. Voilà, je veux que tu me textes sur WhatsApp le nom de la personne qui va réceptionner à aider au péage. Et le numéro de téléphone, tu peux m'écrire ça sur WhatsApp. Écris. Oui, écris alors ton nom, parce qu'il faut écrire le nom sur le colis. Ton nom et ton numéro de téléphone. Non, écris ça sur WhatsApp. Je vais seulement envoyer au chauffeur. Écris ça sur WhatsApp. Ok. Mm-hmm. Donc, mon général Thérèse Tchamale, moi, je la soutiens dans ses positions. C'est mon général. Mais au finish, on n'est pas,
obligé de voir dans la même direction. Ok? Elle a sa façon de voir les choses. De voir les choses. Et elle est mon général, mais elle est indépendante. Elle est indépendante. Elle prend ses propres décisions. Ok? Si elle voit que la sortie de Flore ne l'a pas plu, elle a le droit de donner son avis. Elle a le droit de donner son avis. Parce que tout le monde ne prend pas les choses de la même façon. Tout le monde ne prend pas. Parce que c'est les gens qui ont trop cru en cette paix. Ok? Des gens qui étaient très fiers de cette paix. De voir les deux sœurs se réconcilier. Mon général terrestre Yamale. Donc, elle a été choquée par les propos de Flore aujourd'hui. Mais je demande aussi à mon général d'ajouter un peu d'eau dans son vin. De prendre cette histoire avec beaucoup de tact. De ne pas trop mettre les organes. Parce que les affaires de Facebook, j'ai mis mes organes sur ça. Après, je n'ai que eu mes yeux pour pleurer. Les affaires de Facebook, avant de mettre tes organes sur ça, il faut réfléchir. Parce que mon général, vas-y doucement avec l'affaire là. Laisse l'affaire là. Laisse l'affaire là. La team des USA, ça ne nous concerne pas. Laisse ça. Si tu peux m'écouter, laisse ça. Les Lolomaya même sont calmes, maman. Laisse. Est-ce que les Lolomaya font de ça un problème? Mais je ne peux que donner de conseils. Voilà, elle a dit qu'elle a compris. Laisse l'affaire là. Laisse ça. La team des USA, observons la scène. Pardon seulement. Et nous souhaitons la paix. Nous souhaitons qu'il y ait la paix. Et nous disons au faux profit de ne plus interférer. Il y a des choses que Flore peut parler que c'est un dérapage et ça passe. Mais les gens qui vont attirer l'attention sur ça, c'est les faux profits. Ce n'est pas bien. Elles ont dit qu'elles font la paix. Laissez la paix là. Et c'est ça. Donc, nous là, la team de US, nous sommes en paix avec Lolo et avec Flore. Et avec toutes les teams, nous sommes en paix. La team qui dit qu'il veut la paix, on donne la paix. La team qui dit que c'est la guerre, nous on a du répondant en face. Ok? Pour le moment, la team qui est dans la paix, il y a la team des abeilles et la team des Lolomania. La team des Ngosap, c'est les rebelles. Ok? La team de Ngosap, c'est Boko Haram. C'est les rebelles. Ok? C'est les rebelles. C'est les rebelles. Donc, nous ne sommes pas dedans. Nous ne sommes pas dedans. Ma soeur Thérèse. Fais laisser ça. Vois comment tu es. Laisse ça, maman. Laisse. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Fais laisser. Moi-même, j'ai réécouté le live. Il n'y a pas. Moi, je ne vois pas que. Non. Fais laisser, maman. Laisse. Voilà. Tu as vu, non? Que pendant que tu es là, tu mets les organes. Les Lolomaya demandent qu'il y a eu quoi? Les Lolomaya demandent qu'ils ne sont même pas au courant de ce qui se passe. Maintenant, tellement tu vas chouquer, tous les Lomaya vont aller mettre les yeux dedans. Alors que ça pouvait passer ni vu ni connu. Ça pouvait passer ni vu ni connu. Tu vas maintenant aller, tu vas chouquer, ça va devenir autre chose. Ça va devenir autre chose. Après, on m'a dit que c'est la team des USA. Voilà. Tu vois les commentaires. Tout le monde dit qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Tu prends au premier degré. Après, on va dire que c'est nous les ennemis au progrès. Alors que nous, on veut le progrès. Hein? Tu vas dire maintenant, on va dire que oh,
hein? La team de US, là, c'est nous qui dérangeons. Alors qu'on ne veut plus être dans ça. Allô? Ok, ma, d'accord. Je t'ai envoyé le numéro, hein. Ok, maman. Et mon nom? D'accord, maman. C'est ça. On ne doit pas gâter notre nom intérêt. Nous sommes quand même la première puissance mondiale, hein, ma chérie. On n'est plus là pour l'ombrakata. On n'est plus là pour les... Moi, je fais les affaires avec tout le monde. Hein. Je suis à mode business maintenant. Tout le monde à mode business sur Facebook. Je suis à mode business. Je fais les affaires avec tout le monde. Je fais les affaires avec les abeilles. Ok? Voici un terrain ici là que je viens de placer une abeille sur ça, bien placé. Ok, 7 200 000, vous avez compris avec quoi? Donc au-delà de Facebook, il y a des choses qui se passent. Il y a une abeille. Il y a une dame de la team de Humandong Japan. Une abeille qui a pris. Et une abeille de première de Flore. Hein? Peut-être c'est Maf ou c'est Power Maf ou quoi là. J'ai dit qu'une va-tanguer de Flore. Elle a voulu me donner son faux profil. Va-tanguer jusqu'à dire que même toi tu es abeille. Yeah, Wanda. Une va-tanguer de Flore. Et c'est ce qu'elle même là. Elle est en train de m'écouter. Elle est même parmi là en train de commenter. Donc, au-delà de Facebook, ok? Au-delà de Facebook, moi, je veux pouvoir impacter la vie des gens comme ça. Je ne veux plus être dans la saleté de Facebook. La saleté ne m'aide pas. Ça ne m'apporte rien. Allô? Maman? Oui, maman. Afito, Afito, maman, Afi. C'est comment? Ça va, ma chérie, ça va, et toi? Non, tout doucement. Mais je t'avais demandé dernièrement s'il n'y avait pas un truc à côté de toi, là. Tu m'avais dit que non. Tu viens de me dire qu'il y a une abeille qui a pris un truc à 7 millions, là. Ouais, maman, c'est seulement sorti. Regarde, c'est seulement sorti comme ça. Donc, c'est une maman, là, que elle est venue cultiver, tu comprends? Et comme elle m'a vu, elle me dit que ma soeur, pardon, mon terrain, si je vends ça, je vais envoyer ma fille en Europe. C'est comme ça que, là, j'avais les gens qui m'ont appelé. Tu sais qu'il y a plein de monde qui m'ont appelé et les gens ne me relancent pas que, vraiment, si tu vois un truc. Je comprends. Tu comprends, je me rappelais même plus. Je savais qu'il y a les gens qui m'ont dit qu'ils veulent les lots. Mais, je les retrouvais le numéro de tous ces gens-là. Je n'avais plus les numéros. Donc, ce que j'avais sous la main, c'est les gens qui m'ont appelé dans la semaine que cherche-moi un truc. Bien placé. Voici le terrain. Si tu es dans le live, je te montre. Voilà le terrain. Le terrain que vous montre ici. Voilà ça. Voilà ça. Voilà le terrain. Voilà ça. Voilà le terrain. Vous avez vu. Voilà ça. En plein carrefour, vous avez vu, non? Moi, je suis en plein. Moi, j'ai un terrain stratégique et le terrain pour faire les affaires. Vous avez vu, non? Donc, dès que la personne directement, elle a envoyé directement sa maman. Sa maman aussi, qui est une abeille Pro Max. Elle est une abeille, sa maman est une abeille. Un bon terrain, hein? Voilà ça, je remonte. Voilà le terrain là. Quand j'ai fini de lui vendre, j'ai dit que maintenant je suis dans les mains de ma femme. Je lui ai dit que maintenant je suis dans vos mains. Maintenant, te voilà qui vient être ma voisine. Maintenant là, tu vas plus me clasher à distance. Tu vas seulement traverser la route, tu vas me clasher chez moi. Elle a commencé à rire. Elle m'a dit que non. J'ai dit en plein carrefour. Plein carrefour, bien placé. Que j'ai 7 200. Ils ont compté ça, l'argent, ainsi que dans mon salon. Tiens.
Fiant. Et la belle, elle m'a géré. La belle, elle peut pas mentir. Elle m'a dit que ma Dorcas, pour le moment, ce qu'elle te donne là, c'est l'âme du carburant. Mais laisse, j'arrive au pays. On va gérer. Donc, je suis là, je l'attends. Oh, c'est bien ça. C'est bien ça. Donc, c'est tous les papiers ont été signés propres. Elle a son terrain, c'est tranquille. Elle a son terrain, c'est tranquille. C'est juste un bordure de route. Oui. Et comme ça, j'ai aidé les gens comme ça là, à acheter. Je vous ai dit que je ne veux plus faire les clashs. Tu comprends, non, ma soeur? Aidez-moi à sortir dans ça. En faisant les clashs, hein, maman. Oui, en faisant les clashs, ça ne m'aide pas. Tu comprends? Ça détruit trop. Hein. Ça détruit plutôt. Je ne veux plus. Je ne veux plus faire dans ça. Ça détruit. Les gens qui croient qu'en faisant le clash là, ils sont bien vus. Non. Non, ça n'aide pas. Ça n'aide pas. Ça fait un pain de vie. Moi, je ne veux plus. Tout le temps après, c'est vraiment. Non, mais quand même. Je ne peux. Non, pardon. Pardonnez. Les clashs avec moi, je ne veux plus les clashs. Pardonnez. Je fais les parodies maintenant. Les gens disent. Je fais les parodies. À cause de ce que tu fais comme parodie là, on t'a passé les commandes des sacs de macabre et tout. Sors-toi dans ça. Maman, j'ai les commandes jusqu'à. Je suis fatiguée même des livraisons. J'ai vu là tout à l'heure comment on t'appelle de gauche à droite là. J'ai les commandes. Sors-toi dedans. J'ai les commandes jusqu'à. Vraiment, ça fait un peu un pied, hein. Ça fatigue même le cerveau. J'avais même déjà vieilli, maman. C'est quoi comme ça? Vieilli pour les. Non, je suis plus. C'est ridicule, quoi. Ça, c'est ridicule. C'est enfantin, c'est du droit de c'est quoi ça? Non, je ne veux plus, ça, maman. Je ne veux plus être dans ça. Je ne veux plus. Tu comprends, ma soeur? En tout cas, maman, tu sais quoi? Relance-moi de temps en temps. Tu comprends? Non, je te relance. Oui, comme tu m'as dit là, j'ai écrit ton nom sur un papier. Parce que l'erreur que je fais souvent, c'est que beaucoup de gens m'ont contacté, mais je n'ai pas écrit leur numéro que si j'ai une occasion. Parce que normalement, c'est ceux qui m'ont appelé depuis que je devais brancher sur le terrain. Mais comme je n'avais pas le numéro de téléphone, les personnes qui m'ont appelé la même semaine, là, ils ont bénéficié. Tu vois, okay. Donc, ce n'est pas grave. Comme j'ai ton numéro, je vais te faire signe incessamment parce que je suis quand même dans un secteur que... Il y a les parce que tout est acheté ici, mais c'est quelqu'un, une maman qui a acheté, qui revend. Quand c'est comme ça, tu es sûr de ton terrain. C'est quand c'est les villageois là que c'est. Peut-être tu ne sais pas s'il a vendu, mais à 4 personnes. Mais quand c'est une maman ou un homme qui a son terrain, il revend, c'est bon. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Ok, ma chérie, bye non. Ok, maman. Bisous, maman. Ouais, bon. On vient me ramasser en direct. Bonsoir. Bonsoir. Je me permets d'assister au direct parce que je suis en train de suivre. Ouais. Et puis, je dis, il faut aussi faire parfois attention des gens qui viennent raconter. Chacun interprète comme il aimerait que ce soit. Parfois, il n'interprète pas selon ce qu'on a dit, mais selon la façon qu'il imagine ou bien qu'il aimerait que ce soit dit. C'est pas toujours... Parce que moi, j'ai écouté, je ne vois rien qui était anormal dans ce que Florent dit. Il ne faut pas aggraver. Et puis, quand on vient vous raconter, vous, les blogueuses ou bien qui avez des pages, avant de prendre la parole pour parler en public, il faut aussi aller écouter. Parce que vous avez aussi votre façon de comprendre qui est différente des autres. Vous voyez, tu es très belle avec ta coiffure. Je vois merci bien. Maman, tu sais que Lolita t'a main insultée. Donc, quand je viens toujours avec les cheveux debout. Il a dit que non, mieux nous tous sommes. Tu sais que c'est elle a que les trucs comme ça à la tête, non? Je suis venue avec, il a dit que Lolita, moi aussi, elle peut porter ça. Si tu crois que ce n'est que toi, nous tous sommes à porter ça. Tu es très belle. Merci. Donc, merci, maman. Il y aura beaucoup de personnes qui vont chaque fois interpréter ou bien même qui vont inventer même des histoires.
Il faut souvent faire attention d'aller toujours écouter vous-même, même quand c'est elle-même, une personne qui vient vous dire, ah, on a parlé de toi, Dorcas, quelque part. Maman, si on parle de moi, mais tabé, mais nous, je ne suis plus dedans. Tabé. Il faut toujours faire attention, parce qu'il y a et des cogneurs de tête, et ceux qui ne sont pas cogneurs de tête, mais qui entendent très mal, qui interprètent le contraire. Et là, ils font que, même là où il n'y avait pas un problème, ça commence à grandir, et pourtant, il n'y a même rien. Il n'y a rien qui a été dit mal. Moi, j'ai écouté, mais je n'ai pas compris ça comme si ça concernait quelqu'un de spécial. J'ai même encore cru qu'elle parlait à ses abeilles, même plutôt, parce que c'est tout le monde qui est en train de défendre sa brosse. Donc moi, j'ai cru que elle, j'ai compris, comme si elle s'adressait à ses abeilles, que ne me défendez pas, laissez. Donc, il ne faut pas tirer de long en large sur ce problème. Il n'y a rien du tout. Yeah. De toute façon, quand elle commençait, elle a lancé de bonnes salutations à sa yam sœur. Elle a dit sa yam sœur chérie. Donc, il y aura beaucoup de manipulation et de fausses interprétations. Il faut vraiment faire attention. Je ne veux pas moi les problèmes avec les gens. Je suis plus moi dedans. Pardon. Voilà. Alors, il ne faut pas débattre ça, prendre du temps pour débattre ça. Non, aucun problème. Non, il fallait que ce soit clair. Que ça cuit, oh, ça ne cuit pas, oh, je ne suis plus dedans. Je ne suis pas là pour dire qu'elle va encore faire les clashs. Non. Pourquoi on t'avertit d'abord? Qui t'a averti pour faire quoi? Il ne faut pas tenir compte. Bon, j'étais de passage. Merci beaucoup. Au revoir. Merci ma belle, merci d'être passée. Oui, oui, oui. Donc, moi je suis moi maintenant en mode business, ok? Moi je veux aussi impacter mes jeunes soeurs sur Facebook d'une manière positive. Je ne veux pas être toujours là à impacter négativement, non. À un moment donné, il faut passer à autre chose. Moi je veux que mes jeunes soeurs de Facebook, de tous bords, que vous soyez Lolomania, que vous soyez abeille, que vous soyez sympathisant, que vous soyez... Si vous avez besoin de moi, de quelque chose que vous estimez que je peux vous aider, je veux que ce soit comme ça, que je sois là pour vous impacter positivement. OK? Chacun connaît sa force de frappe sur les clashs. On n'a plus rien à prouver sur Facebook. J'ai encore quoi à vous prouver. Vous connaissez mes degrés de framponnement. Vous connaissez que moi, en matière de clash, je suis l'Himalaya. Vous-même, vous connaissez. Mais à un moment donné, ça fatigue. Je ne veux plus. OK? Je ne veux plus. Je veux pouvoir vous aider d'une autre manière. D'accord. Bonsoir, Marc Larose. Et allez acheter les savons de Mako. Tes savons-là, hein. Félicitations à toi. En tout cas, je t'encourage. Je t'encourage vivement. Donc, c'est ça. Ce que je suis en train de dire là. Je suis en train de dire. Donc, moi, je suis en mode business maintenant. Je n'ai pas de problème avec mes consoeurs. Et je ne veux pas avoir les problèmes avec mes consoeurs. Je ne veux pas. Si mes deux consoeurs décident de se remettre dans les clashs, je serai neutre. Parce que mes affaires que j'ai fait aujourd'hui ne me permettent plus de prendre position, de prendre parti ou de venir mettre la caméra pour dire que non, ce n'est pas bien pour mes affaires. OK? Donc, c'est ça. Merci FM Bombis. Merci à toi, ma chérie. Merci pour les étoiles, maman. Merci. 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 À FM Bombis, merci parce que tu as compris le message. Beaucoup ne veulent pas envoyer le message, peut-être ils se disent que Dorcas a mal parlé, Dorcas n'a pas mal parlé, mais je suis en train de dire que vraiment, je suis maintenant dans les affaires. Je ne veux pas avoir des problèmes, je ne veux plus avoir des problèmes avec mes consoeurs, que ce soit avec ma soeur Lolo, que ce soit avec n'importe qui, non. Je ne veux plus mettre ma caméra que on a dit que la paix. Restons dans la paix. La paix est bien pour nous.
Merci FM Bombis. FM Bombis, 1000 étoiles. Merci, oh, merci, maman. J'allais taper poteau aujourd'hui. C'est comme ça, Facebook. Quand les gens n'aiment pas le discours, hein, personne ne te gère, maman. Ce que chacun veut toujours écouter que ce qui lui plaît pour qu'il donne les étoiles. Mais tous les jours, pas seulement dire ce qui vous plaît, non. On peut aussi vous attirer un peu l'attention que non, ça ne peut pas toujours aller dans ce sens aussi. Merci à Bombis. Je te dis merci, ma soeur chérie. Merci à toi. Mako, bonne arrivée dans le live. Bonne arrivée, ma belle-sœur. Ma belle-sœur chérie. Néné. Mes pâques. Ma belle-sœur, comme tu as compris la leçon. Les étoiles, Bombis m'a sauvé ce soir, maman. J'allais taper poteau jusqu'à. Maman, la honte de ça. J'avais déjà honte, maman. Bombis est venu enlever la honte sur moi. Merci, ma soeur Bombis, merci. Je ne sais pas où tu es, ma petite soeur. Où tu es... Maman, le Jacques donne les étoiles. Maman, où c'est Brenda Biao? Où c'est Chantal Biao? Maman, nous, on connaît que quoi? Mais c'est que c'est la NASA de l'Olomania. Maman, je te donne le jack-up, merci. Où est ma soeur Sylvie Mbako? Maman, Sylvie, si mon discours ne t'a pas plu aujourd'hui, maman, pardon. Ne me jette pas dehors. Tu sais qu'on tape l'enfant. On, tu sais, non, Mako, quand tu tapes l'enfant, c'est que tu pousses l'enfant dehors. Hein, Mako? Quand tu tapes l'enfant, tu cherches un coin de la maison, tu lui dis qu'à soi, toi là-bas, tu pleures. Tu ne mets pas l'enfant dehors. Donc, bien sûr. Pardon. Bien sûr. C'est ça, ton discours d'aujourd'hui a été un discours vraiment. Ça, j'ai écouté ton live, ça m'a vraiment pénétré dans la tête. Mais je vais te dire une chose, Madokas. Ce n'est pas la première fois que tu n'es plus dans les clashs. Tu n'es plus dans les clashs, mais tu reviens toujours. Pourquoi? Parce que ta générale te rapporte les fausses informations. Elle te rapporte toujours des fausses informations. Quand on est général, on respecte la volonté de son président ou c'est de son quoi. Il est inadmissible qu'elle est quelque part. Quand l'autre parle, elle envoie les cœurs. Elle pompe les cœurs. Elle pompe les cœurs. Et puis pour t'appeler après, pour te donner une fausse information. Nous, son jeu qu'elle joue là, nous, on ne sait même pas à quel jeu elle joue finalement. Si elle veut devenir clasheuse, qu'elle te laisse sortir des clashs, elle met sa caméra, elle clash qui elle veut. Qu'elle arrête de te tchouquer parce qu'elle te donne les étoiles. Vraiment, Thérèse, je te vois là dans le live. Ce que tu fais là, c'est pas bien. Tu es chez Lolo, quand Lolo parle, tu pompes les cœurs. Tu es chez Flo, quand Flo parle, tu pompes les cœurs. Tu es chez Mbunga, quand Mbunga parle, tu pompes les cœurs. On ne sait pas à quoi tu joues finalement. On ne sait pas à quoi tu joues. Quand on insulte Lolo, tu pompes les cœurs. Quand on parle comme ça, bim, l'autre jour, tu as voulu monter. Non, je ne crois pas. S'il y a une personne que Thérèse aime sur Facebook, c'est Lolo. Je ne crois pas que Thérèse peut aller là où on insulte Lolo. Non, il faut faire les captures. Il faut faire les captures. Parce que quand elle vient te dire aujourd'hui que Flore a fait si ça a pété comme ça, on vient te rapporter que ça a pété. Nous, on sait qui te rapporte les choses. On sait que c'est ta générale. C'est la même chose. Il n'y a pas seulement que ma générale. Il y a beaucoup des abeilles aussi qui m'ont appelé. Il y a certains Lolo Maya qui m'ont appelé. Ce n'est pas seulement les. De Lolo Rêve a lancé un direct pour dire qu'il ne faut pas qu'on prenne, après le direct de Flore, Rêve a lancé un direct pour dire qu'il ne faut pas qu'on prenne le live de Flore là pour commencer à grammatiser. Flore n'a rien dit de mauvais. Flore n'a rien dit de mauvais dans son live. Flore a dit, elle parlait beaucoup plus à ses abeilles que je ne veux pas. Elle a dit à ses abeilles, quand vous faites les longues pages comme ça là, d'insultes, vous faites les longues pages que les qui vont lire ça. Est-ce qu'ils savent lire pour lire ce que vous, les posts que vous faites? Ce n'est pas Lolo, ne partez plus clasher à mon nom. Si vous m'aimez, supportez comme j'ai décidé de ne plus clasher. Flore parlait à ses abeilles. Moi, je ne suis pas abeille. Mais Flore parlait à ses abeilles que. Renvoie la demande, je t'ai pris, ça n'entre pas. Ouais, Mathé, renvoie la demande. Que vraiment chacun ajoute un peu d'eau. Que chacun ajoute un peu d'eau. Non, celle qui entre là, ce n'est pas Thérèse. Que chacun ajoute un peu d'eau dans son vin. OK? Nous sommes des adultes. Tu es déjà entré dans le monde du business. En pourquoi t'encourages? La personne qui t'aime t'encourage dans le monde où tu es entré. Voilà, dans le monde où tu es entré. Oui, maman, c'est comment? Ah, bien, madame. C'est pour commander le macabo. Non,
Donc, vous parlez à Thérèse Tchamale, dis à la vieille sorcière là, de quitter derrière non, Flore. Non, tu ne peux pas insulter. Non, ils vont dire à la vieille sorcière. Non, je refuse ça. Non, tu ne peux pas insulter Thérèse dans mon live. Je refuse. Mais on ne l'insulte pas. Moi-même, je ne l'insulte pas. Mais je oui, tu as donné ton avis sans l'insulter. Thérèse, renvoie la demande, maman. Non. Je ne peux pas, moi, ne pardon. Maman, chacun a son général, hein, et les généraux de chacun ici font le sale. Chacun supporte son général. Pour moi, là, c'est Thérèse. Mais je lui parle quand même que maman, l'affaire, là, ne met pas les organes. Parce que les Lolomaniens même n'ont pas mis les organes. Il faut que si vraiment on vous aime, qu'on vous accompagne dans cette décision, et si on vous aime, vos produits que vous vendez, on essaie un peu de partager ça à nos parents, au lieu de vous apporter les lives de Congo, ça, vous venez vous rapporter les choses que tel a dit, que tel a dit, que tel a dit, que pourtant c'est pas vrai. Et toi, ouais. Donc tu tombes toujours. Non, si elle est tombée, elle devait venir mettre les organes. Tu m'as vu faire les organes. J'ai dit que moi-même, je suis en mode commerce. Je suis en mode commerce. Je ne veux pas moi. Et j'ai fait la publicité d'une gamme de produits qui est Cell Beauty. Je ne peux pas être en train de faire la gamme de produits, de publicité d'une gamme. Et je vais insulter les gens. OK? Parce que ce n'est pas seulement une partie des personnes qui vont acheter les produits de Cell Beauty. J'ai besoin de tous les Camerounais pour acheter. Donc, stratégiquement, ça ne me convient pas de faire les clashs. OK? Parce que c'est un contrat bien juteux que j'ai eu. Le contrat de Cell Beauty. C'est un bon contrat, c'est pas le contrat des arachides. Et j'ai l'intention de faire bien mon travail. Je ne veux pas, moi, que quelqu'un me donne son contrat, je commence à venir et commencer à insulter une partie des Camerounais, alors que j'ai besoin de tout le monde pour acheter les produits. Ça ne me convient pas. Essayez de me comprendre. Moi, je ne peux plus faire dans les clashs. Je ne suis plus dedans. Thérèse, maintenant ta parole. Non, même si on t'a pas dit, maman, je te dis, écoute. Non, écoute ce que je vais te dire. Attends, écoute ce que je vais te dire. Je vais me répéter, OK? Je vais me répéter. Mm. Je ne peux plus mettre ma caméra pour dire que Flo m'a insulté, viens insulter. Non, que Flo peut-être, je ne sais pas. Peut-être c'est les attaques directes. Je viendrai avec les parodies. Mais dis que acheter, je ne suis plus dedans. Moi, je suis que je ne veux même plus être dans les cas. Même si elle me clash, je ne réponds pas. Mais je viens avec les parodies. Oui. Tu as compris. Oui. Ça ne me convient pas. Ce n'est pas que j'ai peur de Flo. Ce n'est pas que j'ai peur de ces abeilles. Même vous, les abeilles, vous connaissez que moi, je suis un adversaire coriace. Vous connaissez ça, non? On se connaît. Voilà. Je suis de la on se connaît très bien, super. Je ne suis pas abeille. Voilà. On se connaît très bien que nous tous là, on a la longue bouche. Il n'y a pas de petits Camerounais. Nous tous, on a la longue bouche. Mais ça ne me convient plus de faire ça, en fait. Je veux faire mon petit commerce des macabos. Vous m'aimez, passez la commande des macabos. Je ne vais pas livrer chez vos parents, si vous m'aimez. Le manioc, passez-moi la commande. Je ne vais pas livrer chez vos parents. Il y a les gens qui me disent que Madoc ajoute le riz. Moi, je ne cultive pas le riz, mais je vais chercher le réseau du riz. Si on peut me donner le sac à un bon prix pour que je revends, je gagne ma part de 500 francs. C'est ce que je veux faire. Allô, madame. Il y a les gens qui m'ont appelé pour le riz. Que Madoc, je veux que tu livres le macabo et le riz. Madoc, livre une fois le riz. Comme ça, quand tu pars chez nos parents, tu livres une fois le riz. Je cherche le réseau du riz. Parce que j'ai beaucoup de commandes que je livre à travers le Cameroun. Je veux le réseau du riz. Moi, je ne cultive pas le riz. Mais je sais que si j'ai un bon réseau, quelque part, qu'on me vend à un bon prix, je peux acheter et je revends. Je livre chez les gens, je gagne ma part. C'est les affaires, non, ma soeur? Oui, ce sont les bien sûr. Ce sont les affaires. Allô, donc, allô, si madame. Vous m'aimez... Oui, Thérèse. Thérèse, allô, ajoute un peu d'eau dans ton okay. Oui, maman. Non, maman, non, il faut pas dire des choses qui n'ont même pas lieu d'être. Tu comprends, hein? J'ai suivi un direct et je sais comment j'ai ressenti la chose. Tu vois, toi et moi, est-ce qu'on a même parlé? Toi-même, ça fait peut-être une semaine, tu ne m'as pas eu au téléphone. Tu m'as laissé un vote que je n'ai même pas encore répondu. C'est vrai. Tu m'as laissé un vote que je n'ai même pas encore répondu hier.
pour me demander que, mais qu'est-ce qui se passe, tu m'entends? Et je t'ai envoyé la photo de ma collègue qui est morte. Il t'a dit que je suis dépassée. Ouais, je suis très approuvée par le deuil de ma collègue qui est morte. Je t'ai envoyé la photo là. Toi et moi, est-ce qu'on a parlé aujourd'hui? Est-ce que toi et moi, on a parlé aujourd'hui? Est-ce que je t'ai appelé aujourd'hui? Parce que c'est ça que dit que les gens accusent Thérèse. Tu vas arrêter ça. Moi, je vais vous dire, Madoka, c'est moi, on s'est retrouvé sur Facebook. Moi, je suis ma propre personne. Mais quand toi, tu viens dire que quand je fais les lives, là où on insulte le lot, je mets les queues. Moi, je ne suis jamais montée dans un là où on insulte le lot. Il faut arrêter ça. Jamais. Il faut arrêter ça. Même si tu as même si n'importe de quoi, quand vous êtes en désaccord avec des gens, il faut dire quand même des choses vraies de cette personne-là. Il faut arrêter. Il faut arrêter ça. Moi, je sais ce que j'ai ressenti quand j'ai écouté le live de fois. Et vous n'allez pas me faire changer d'avis. Et dire que je suis venu tuer l'esprit de Madoka. Je n'ai pas parlé à Madoka, ça fait plus de 10 jours. Même depuis la PAC, on ne sait pas où. Avant la PAC ou après la PAC, on ne s'est pas eu au téléphone. Ça fait pratiquement 2 semaines que je n'ai pas eu Madoka au téléphone. Qu'est-ce que vous racontez? Ah oui. Vous fichez le cœur aux gens. Fichez le cœur aux gens. C'est quoi? On ne peut plus s'exprimer. On ne peut plus s'exprimer. Et j'ai appelé, donc, quand j'ai appelé dans le direct de Dukame aujourd'hui, j'ai dit à Dukame que Dukame, je vais te poser une question. Comment tu as ressenti la sortie de Flo? C'est la question que je lui ai posée. C'est quoi? Vous voulez seulement brutaliser tout le monde d'esprit? C'est quoi? Je peux être avec le lot, même si le lot ne ressent pas. Moi, je ressens ça d'une manière différente. Respectez mon ressenti. Ah, oui. C'est quoi? Ah, oui. Fichez-moi la paix. Fichez-moi la paix. C'est quoi? Allô? On ne peut plus s'exprimer sur Facebook à cause de vous. Allez répondre à Oshiga. Allez répondre à Oshiga. Allô, des allô. Saletés. Oshiga, c'est Madoka. C'est quoi? Oshiga, c'est qui, Thérèse? Oshiga, c'est qui? C'est quoi? Allô, Madoka. Que ton oui, Dieu maman. Parler, c'est quoi? Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, bonsoir, là, bonsoir à Madoka. Attends, une personne finit. Tu vas prendre la parole, ma belle. Ça fait 2 semaines que je n'ai pas parlé à Madoka, pratiquement. Même avant, pas que je ne lui ai pas parlé, ni après. C'est quoi? C'est quoi? Madoka, c'est moi, c'est retrouvé sur Facebook. Je suis ma propre personne. Fichez-moi la paix. C'est quoi? Je suis dans votre secteur là avec vous. Imbécile, va. Plus jamais. Vous avez dit allô, que c'est Madoka qui met mes vidéos pour appeler sur Facebook. Qui paye ma connexion d'Internet. Des sales choses comme vous avez les tiges de maïs au face. Allez vous épiler. Des conneries comme ça. Marthe, tu sais le Facebook code, hello. Maman. Oui. Allô, oui, bonsoir à tous les mamans. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Je montais, c'était surtout pour parler à notre soeur Marthe. Oui. Mamisa, vraiment. Je vois ton. Tu as un sang qui coule beaucoup. Franchement. Il faut souvent un peu apprendre à. C'est que Marthe, oui. C'est une très belle personne, mais elle n'aime pas. Quand elle n'aime pas, c'est une personne qui n'aime pas tout ce qui n'est pas droit. C'est une personne qui est trop. C'est le genre de personne que quand tu as dit qu'on est ensemble, elle ne veut pas. Elle n'aime pas la trahison, en fait. Elle n'aime pas que quand tu as dit qu'on est ensemble, après tu viens déraper. Marthe n'aime pas le dérapage. Donc elle est un peu différente de moi, que moi je veux qu'on me laisse tomber. Mais il y a des gens qui ne laissent pas. Je suis d'accord, maman. Surtout je suis d'accord. Ses organes. Dans la réconciliation de Flore, je suis d'accord. Elle était très contente de ça. Madoka, je suis très, très d'accord. Mais toi-même, tu sais que ça, c'est le virtuel. Ce n'est pas la réalité. La preuve en est que quand tu rencontres tous ces gens-là en face, ce sont d'autres personnes, au fait. Donc, apprenons à prendre. Le Facebook, ce n'est pas la réalité. Je ne vois pas pourquoi tu, Marthe, s'accroche tellement où, à tous les coups. Parce que quand tu fais un direct et que Marthe monte, ou bien même quand elle est en bas, en train d'écrire, vraiment, c'est pas bon. Les mots qui sortent parfois de sa bouche, je comprends. Elle peut écrire irrité parce qu'elle se dit que ça peut, quand elle supporte quelqu'un. Et quand tu mets trop d'organes, et que, en finalité, tu te rends compte que ce que tu es en train de constater n'est pas ça. Ça te met dans les états. Mais ma grande, s'il te plaît, ne prends pas ça. Ne prends pas ça au premier degré. Parce que si tu prends ça au premier degré, c'est que tu peux mourir. Qu'est-ce que tu en dis de ces concernés elles-mêmes, donc de ceux-là même qui sont en train de vivre la chose? Vraiment, même ma grande. Même les compagnons sont en train de faire vue ignorée. Voilà. Je vais dire à mon général que ajoute un peu d'eau dans ton vin. Laisse-la faire. Oui, elle a un sang qui coule beaucoup, l'impulsivité aussi. Et elle manque aussi beaucoup de respect aux gens. Parce que les termes même qu'elle emploie, c'est pas bon pour nous, des personnes, des grandes personnes, au fait. Ici, là, c'est le langage qu'elle utilise, c'est un peu très ordurier. C'est le langage de la rue.
Vous comprenez? Et puis, ce qui est dommage, c'est que c'est votre général Madokas. Nous sommes d'accord, mais nous sommes aussi tes abonnés. Il n'y a personne que tu dois jeter parmi. Nous sommes aussi tes abonnés, ce qui fait que même quand Maté monte, elle parle, elle avance certains propos déplacés. Il faut que tu l'arrêtes un peu. Nous sommes tous des mamans et c'est l'habituel. Je ne vois pas pourquoi elle met non, tant d'organes. Je vais te dire, tu as compris, je vais te dire quelque chose. Sur Facebook ici, là, chacun a son général. Et les généraux font le sale. Chacun suppose son général. Ce n'est pas à moi de jeter ma part. Je ne peux pas. Je suis avec mon général aujourd'hui, demain et après-demain. Maman, parce que toutes les teams ont les généraux. Et vos généraux font ça. Tu as les généraux aussi. Tu as aussi tes abonnés. Tu as aussi tes abonnés. Je respecte tes abonnés. Je respecte. Elle donne son avis. Merci. Elle donne son merci. Avis. Merci. Je respecte tous mes abonnés. Merci parce que vous respectez. Par rapport même à la sortie de Flore, tout le monde a compris. Pourquoi les gens veulent toujours comprendre les choses dont. Prendre tout ce qu'elle dit comme si ça les concernait. Les concernés même sont là. Les concernés sont là. Nous autres, nous mettons aussi seulement, nous écoutons aussi, on passe aussi autant de on se discret. Parce que c'est pas facile parfois de passer certaines choses. Quand tu continues à mettre des organes, quelqu'un va laisser sa gorge sur Facebook. Et c'est vrai, ça. Je vais mettre moi mes organes. Non, les sont même plus là. Elles ont déjà parlé. Voilà ma fille qui est en train de partir en Allemagne pour sa soirée. Voilà peut-être le mec qui n'est même pas avec nous ici. Elle est en train de gérer ces choses-là. C'est nous autres qui venons mourir sur Facebook, maman. Oh, ça c'est la vraie sorcellerie, comme on dit là. Hein. Franchement, Mado, ça c'était ma petite contribution. S'il te plaît, Mate, calme-toi un peu, maman. Je sais que tu te m'amuses. Calme-toi, maman. Calme-toi. C'est le virtuel. Donne-la. C'est pour s'amuser. C'est pour se distraire. Parce que si on était réellement occupé, c'est qu'on ne devait pas être sur les réseaux sociaux. Donc, par moment, quand on prend le téléphone, on zappe, on tombe sur certains directs de nos fans. C'est ça. Mbrobros mi temimbang, tu as compris. Mbrobros mi dit que Madoka ne manque plus sur le nom de Maté. C'est toi qui as dit qu'elle t'a col, non? Eh, Mbrobros temimbang, tu as compris, non? Qui va se diriger après? Pardon, descends-moi avant que Maté ne vienne nous descendre. Tu ne connais plus la porte de sortie. Tu vas sauf que Kaye là-bas. Qui t'a amené ici? Reprends la même route que tu as entré, tu ressors. C'est toi qui as accepté mon invitation, non, maman? Maman, la même route là, tu es entré par la porte centrale, ressors. Si tu veux même par la fenêtre.